Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle lunette pour ma carabine de chasse, la Discovery Opt EDAR 1.6 par 24. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle lunette pour ma saison de chasse 2024. Donc, j'ai décidé de changer le point rouge sur ma carabine de chasse, donc sur la Ataturka que je vous présenterai après, représenterai après, pour passer sur une lunette. Donc, cette lunette, c'est une Discovery Opt. Donc, pourquoi j'ai choisi Discovery Opt? Tout simplement parce que je les ai contactés. Et je leur ai demandé s'ils souhaitaient faire un partenariat de long terme avec ma chaîne. Ils ont accepté. Donc, par contre, je tiens à vous dire tout de suite, cette lunette, je l'ai payée. Donc, je l'ai achetée moi-même, certes avec un prix, on va dire, défiant toute concurrence, mais par contre, je l'ai achetée quand même. Donc, c'est un partenariat, mais je vais être le plus objectif possible. Cette lunette, c'est le modèle ED. AR, donc c'est le pour normalement c'est une lunette qui est prêt pour monter sur un AR15 ou un AR10 en 1.6 par 24. Donc c'est 1.6, c'est le zoom minimum 1, maximum 6, et 24 c'est le diamètre de l'objectif avec un corps de 30 mm. Donc autant vous dire que ça fait quand même une belle lunette, hein, pour mettre sur une carabine de chasse. La construction, elle est je veux dire, remarquable, c'est solide. Voilà, c'est fluide, ça respire la qualité. Au niveau de l'optique, je vous montrerai tout à l'heure, c'est un vrai 1. Quand on va à la chasse, l'intérêt d'avoir un optique par 1, c'est ce qui permet de pouvoir tirer avec les deux yeux ouverts sans avoir un problème au niveau de la vision. C'est pour ça que je voulais une lunette, parce que le point rouge, c'est bien, mais dès l'instant qu'on veut aller un petit peu plus loin, on est très vite limité, en sachant que le point rouge, à une certaine distance, pardon, il commence à recouvrir une bonne partie de la cible. Donc là, voilà, je les ai contactés. Et d'ailleurs, merci Anna. On a discuté un petit peu et ils m'ont proposé un tarif exceptionnel sur cette lunette. Donc j'aurais dit, ben pourquoi pas, je vais la prendre, je vais l'essayer et je vais faire une revue dessus, bien sûr. Donc les caractéristiques donc, de la lunette. Elle est anti-choc. Elle est traitée à l'azote. Anti-buée étanche. Donc il peut pleuvoir, il n'y a pas de souci. Elle est traitée aussi multicouche, ce qui fait que en fait les verres sont. Bah, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure avec les plans rapprochés. Mais du coup, les verres sont anti-reflet et extrêmement clairs. Donc c'est la modèle ED. Donc le ED, c'est le High Distortion. Donc en fait, si vous voulez, quand on regarde dedans, on a quasiment. Ben, aucune distorsion de l'image. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est un modèle rétroéclairé. Donc il est rétroéclairé sur 6 positions avec une position intermédiaire. Donc c'est assez pratique. Allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Jour, nuit, jour, nuit, jour. On n'est pas obligé de faire 50 fois le tour pour pouvoir bénéficier de son point rouge. Il suffit juste de lui faire une rotation et c'est fini. Donc ça, c'est très pratique. Pour vous faire un comparatif entre cette lunette et celle que je vous ai présentée, que j'avais montée sur ma Little Badger, qui est une lunette de battue. Ça, c'est une 1,5 par 5, rétroéclairée, pareil, de la marque Simons, modèle battue. Et celle-ci, c'est la Discovery. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà la différence entre un tube de diamètre 25 et un tube de diamètre 30. Les objectifs aussi, pas l'objectif, mais on va dire le verre de visée. Voilà, le diamètre qui fait. La différence des bagues pour le zoom. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'entendre les clics.
faut savoir que Discovery, c'est des lunettes qui sont garanties à vie. Et ils garantissent aussi leur tourelle et le retour à zéro, le tracking. Donc autant vous dire que c'est de la construction solide, c'est du solide, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, je vais vous approcher du micro pour que vous puissiez entendre les clics de la Simons. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose parce que ça fait alors vraiment pas de bruit. Je vais vous faire écouter les clics de la Discovery Opt. Je veux dire, c'est franc, c'est net. Un clic, c'est un clic. Il n'y a pas de... Voilà, c'est... Tu peux pas te tromper, quoi. C'est un premier plan focal. C'est-à-dire que le réticule, il va zoomer en même temps que le grossissement. Le deuxième plan focal, votre réticule reste fixe et c'est ce que vous regardez qui grossit. Alors que là, le réticule, si vous voulez, il va grossir et il va s'agrandir au fur et à mesure du zoom. Donc, normalement, c'est fait pour les lunettes de tir. Hein. Il n'y a aucun intérêt à avoir un premier plan focal pour une lunette, pour monter sur une lunette de battu. Mais je tiens à préciser, ce n'est pas une lunette de battu. Moi, je l'ai prise pour la monter sur ma lunette, sur ma carabine, parce que j'aime le produit. Le point rouge, je vous montrerai tout à l'heure, il est pratique aussi parce que c'est un fer à cheval avec un point dedans. Donc quand il est à zoom par 1, je vous montrerai l'image, vous verrez que ça fait comme un point rouge. On ne distingue pas le fait qu'il faut vraiment rentrer dans les zooms pour commencer à avoir le côté fer à cheval et le côté, on va dire, pseudo-tactique des réticules à air. Pourquoi je voulais une lunette en milliradian? Tout simplement parce que le réglage, il est on ne peut plus simplifié. Un clic, 1 cm à 100 mètres. Donc là, je veux dire, c'est pas compliqué. Là, je vais aller en stand tout à l'heure pour la régler. Je vais me régler sur 50 mètres. Je vais tirer une première balle. Si la balle, elle est 5 cm trop bas et 4 cm sur la droite, c'est pas compliqué, 1 cm à 100 mètres, je divise par 2, ça fait 0,5, donc à 50 mètres. Donc 5 cm trop bas, et ben 10 clics, je remonte. 4 cm à gauche, 8 clics, je vais sur la droite, et quand je tire, normalement, boum, je suis plein centre. Ce que j'aime bien aussi chez Discovery, c'est, alors franchement, c'est la taille de leurs tourelles. Leurs tourelles, elles sont mais énormes, démesurées. Mais au moins, je veux dire, t'as pas cherché les petites vis là pour tourner ou les petits trucs ou quoi que ce soit, là c'est tu démontes le cache. Ouais, c'est pareil, ça bouge pas, c'est cranté, c'est tu chopes tout de suite. Tu démontes le cache. Tu sais que tu dois descendre, tu dois monter par exemple de 10 clics. Hop, tu es monté de 10 clics. Tu dois redescendre de 15. Redescendu de 15 et en plus je veux dire à chaque clic tu peux pas dire que tu l'as pas entendu et vous verrez tout à l'heure à la démonstration c'est vraiment ça bouge pas d'un centimètre. Elle est livrée avec des petits caches comme ça donc j'aurais préféré avoir des flip caps mais bon c'est pas grave c'est toujours pratique. Elle a la grille en nid d'abeille qui vient se mettre là au bout. Donc ça, c'est le côté, je pense, tactique hein, pour limiter les reflets du soleil ou ce genre de choses. Voilà, est-ce qu'à la chasse, j'en aurais besoin? Non. Elle a un pare-soleil, ça par contre, c'est intéressant parce que du coup, avec le pare-soleil de montée, eh ben déjà, si jamais il pleut ou quoi que ce soit, ça limite déjà le fait d'avoir de l'eau sur la lentille. Ça la rallonge un peu. Au niveau du poids, on verra tout à l'heure. Hein. Donc, je précise que j'ai monté les colliers parce que je l'avais monté tout à l'heure. J'avais déjà monté pour faire les réglages au niveau du réglage de mon œil sur ma carabine. Alors, dans la boîte, vous avez le petit descriptif. Donc, ce qui vous est dit, hein, c'est le modèle EDAR 1.6-24 FFP, donc premier plan focal. Donc, le zoom 1.6. Et l'intérêt, surtout, ce que je voulais avoir, moi, quand on chasse l'angle, la vision, en fait. Quand on regarde dans la lunette, il faut qu'on ait le maximum de champ de vision. Donc une lunette par exemple, comme celle que je voulais prendre à la base, la Vortex, la Crossfire,
elle a un champ de vision de 38 mètres. Une des meilleures lunettes au monde, et la Leica, je ne sais plus quel modèle, ils ont un champ de quasiment 43 mètres en position 1 à 100 mètres. Celle-ci, elle a un champ de 40,3 mètres. Autant vous dire que quand on regarde dedans, en plus avec la clarté du verre, c'est juste génial. Le high relief, c'est la distance à laquelle en fait il faut positionner votre œil de l'optique pour avoir la meilleure visée, donc c'est 10 cm. Elle est en milliradian, elle a 35 milliradians d'élévation, 19,5 en dérive. Donc c'est amplement suffisant. Diamètre 24, corps de 30. Voilà, elle pèse 657 grammes. Elle mesure 28,2 cm. Waterproof, shockproof, anti-buée, anti-brouillard et surtout purgé au nitrogène. Petite chose pratique aussi. Donc en plus des colliers qui sont livrés avec, colliers aluminium, somme toute basique, mais ça fait toujours plaisir quand on a les colliers avec. Cette petite chose là. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose là? C'est tout simplement séparable en deux, donc ça c'est pratique. Ça va venir se fixer ici. Voilà, donc ça dépasse pas de trop hein, au niveau de la carabine. Et du coup, ce qui est pratique, c'est que pour pouvoir zoomer, en fait, on va avoir plus de facilité en prenant ça. Quand la carabine est posée, hop, on fait comme ça et on tire dessus directement. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai tiré la première pour chauffer le canon et là, j'ai fait trou dans trou. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être ici plus 2, donc on va dire à peu près ici. On est à 5 cm. Voilà. Au niveau de la longueur, on est à peu près à 9 cm. Ouais, à peu près quelque chose près, 9 cm. Donc 9 cm pour venir ici, vu que moi ma lunette elle fait 1 cm à 100 mètres, là on est à 50 mètres. Donc il va falloir que je fasse 18 clics pour revenir sur le centre. Et 10 clics pour descendre. Donc là, nous revoilà donc sur le chevalet avec ma carabine, donc la nouvelle lunette. Donc je vous ai dit qu'il fallait que je fasse 18 clics sur la droite. Donc là, pour aller à droite, c'est ici. Donc je vais faire 18 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et ensuite, il fallait que j'en fasse 10 en descente. Vous voyez là, pour descendre, donc c'est down, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va faire le tir de confirmation. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore Discovery Opt, merci Anna de m'accompagner, on va dire, sur ma chaîne en me permettant d'avoir des produits de qualité à un coût raisonnable. Je fais ça pour le plaisir, pour le partage, pour donner un peu envie aux gens et de comprendre ce qu'est la chasse. Le tir sportif, hein, comme je le répète à chaque fois, on n'est pas tous des poivrons en train de picoler comme des porcs ou quoi que ce soit. La chasse, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, voilà. Encore hier, j'ai cuisiné un sanglier façon bourguignon avec une bonne petite sauce que j'ai ramené le midi pour manger avec mes collègues. Voilà, la chasse, c'est le partage. Le tir, c'est le partage. Les Fumiero Hermanos, c'est le partage aussi. On discute, on est d'accord sur certains points, on n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est la vie, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Il faut que ça reste dans la joie et la bonne humeur. Puis je remercie beaucoup les gens qui me suivent, je remercie les gens qui s'abonnent, les gens qui commentent, les gens qui likent. Forcément, ça fait plaisir et ça me permet de pouvoir avoir plus de crédibilité quand je parle avec des fournisseurs et que j'essaye d'avoir des produits pour ma saison de chasse. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne avec une autre présentation d'armes, mais cette fois-ci, des couteaux. Et comme le disait Giscard... Au revoir.